étudiants et étudiantes des universités, des écoles supérieures, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines applications de la transformée de Fourier. On commence par l'impulsion rectangulaire. Bon, suivez bien. Alors, l'exercice, calculer la transformée de Fourier de la fonction f de t définie par f de d égale 1 sur l'intervalle de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. Voilà. Mais de moins l'infini, je dirais de moins l'infini jusqu'à moins a sur 2 est égal à 0. F de t égale 0. Et de a sur 2 jusqu'à plus l'infini est égal à 0. Donc, je constate que la fonction f de t est paire. C'est important. Donc, la transformée de Fourier de f de t cosinus oméga t dt de 0 à plus l'infini, vous voyez bien, non. De 0 à a sur 2 est égal à 1, donc 2. 0 a sur 2 cosinus oméga t dt. Le 1, je ne l'écris pas. Ici, est égal à 1. Alors, je sais intégrer une primitive de la cosinus de oméga t, c'est sinus de sinus oméga t, hein, de 0 à a sur 2. 2 oméga t 2, hein, c'est sinus oméga a sur 2, hein, moins 0. C'est-à-dire 2 sur oméga sinus a oméga sur 2. Ça, c'est f de oméga transformé. Donc, vous voyez bien que c'est ça la transformée. Alors, cette transformée que vous allez voir, je vais la représenter graphiquement. Je vais la représenter graphiquement. Et pour cela, je vais utiliser un... Voilà. Je vais la représenter graphiquement. Vous voyez bien que y égale 2 sur x sinus à x sur 2. Donc, vous voyez comment une impulsion rectangulaire s'est transformée en ce graphe. Vous voyez bien. Hein? Donc, c'est en fonction de a. Lorsque j'augmente le a, voilà ce que je vais obtenir. Lorsque je diminue le A, voilà ce que je vais obtenir. Donc, vous voyez bien que voilà ce que je vais obtenir. C'est-à-dire,
une impulsion rectangulaire, par la transformer de Fourier, devient ce graphe-là. C'est très important. Hein? C'est pour vous donner une idée de l'application de la transformée de Fourier. Donc, le X ici, que vous voyez bien, le X, ici, je le précise, le X. Le X ici, c'est le oméga. Le oméga, hein, c'est le oméga. Donc, il ne faut pas le oméga. Pourquoi? Parce que la transformée de Fourier, elle varie en fonction de oméga. Donc, j'ai commencé par cet exercice. J'espère que ce n'est pas un exercice difficile. Hein? Il suffit de bien retenir les formules. Je vous remercie de votre attention.